C'est vrai quand l'écart de niveau est trop grand entre deux joueurs, c'est pas que l'autre il fait pire que mieux, mais c'est pas exactement pareil que si vous étiez deux non plus. Tu peux pas diviser ta pensée en deux. Tu veux gérer surtout un truc, un side, hein? Ouais, de toute façon, tu vas faire quoi là-dessus? Tu fais des usines dans la base, t'envoles comme en face? Enfin, en face. On va. Sur les spawns. Je vais te laisser micro au début, je vais te faire des laps pour toi. Tu vas Ouais, de faire toute façon, ouais, les ton règles, les micro de lab. micros. Et puis on va voir comment ça va se dérouler. Mais normalement, il va y avoir tous les fight deals, je vais te laisser les faire. Je vais te faire les drops là et puis je vais te laisser faire le fight deal. Si tu veux, je peux Et faire un micro des ingés pour réclamer des cailloux au début. Si t'as pas envie de le faire. yes. Enfin, tu me le dis, hein. De toute façon, Non, dis-moi, je vais le montrer. soit le master, enfin le main, et dis-moi, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je gère ça. Et après, si moi je commence à prendre des initiatives, je te le dirai de toute façon, mais. Le peu que j'ai testé, je trouve que ça marchait quand même mieux quand t'as un. Oh parfait, on est Yon. Quand t'as un Rayon. deck principal, quoi. Ok. Tac. On se fait un petit bomber. Tu veux. Du coup, si on fait du lab, je vais partir sur trois que deux mecs, que deux pigeons. Te fais comme ça. Je donne deux labs. Vas-y. Ça va être bon ça. Je verrai l'arrière de sa base et l'hydro, on est d'accord? Enfin, l'hydro et l'arrière de sa base plutôt. Tu tentes là, par là, une attaque par là, peut-être une par là aussi. Je suis gentil, je t'ai fait des scouts, mon gars. Bah heureusement. Heureusement, là, wesh. Heureusement là, je sais que. Qu'est-ce que je fous des labs sans les scouts. Ah, dis-moi que tu veux que je m'occupe d'un ingé ou pas. Genre lui là, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Ouais. Une fois qu'il a fait ce reclaim là, je continue de lui faire faire du reclaim, non? Lui, il réclame tous les trucs sur la droite là, c'est bien. Et tu peux lui dire d'aller construire à distance un truc sur l'île si tu veux. Ok. Fais un petit aura de défense aussi. Bon, je m'attarde pas ici parce que il y a des chances que je croise son com quand même. Faut checker un peu ce qui. Le scout, je vais le laisser là par contre. Je vais le péter ce truc là, ouais. Tac. Ok. Te donnerai un bomber après du coup à micro et l'autre derrière Ouais, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. il y en a un qui va vers toi à gauche. C'est peut-être le com. Je pense pas. Non, ah ça pue. Sont quoi, Aeon aussi. Ça rase.
de la masse, on a des trucs là, qu'est-ce qui se passe? On s'est fait niquer un ingé. À droite là? Ah vas-y, j'envoie le bombeur dessus. Hein. Non, okay. Le bombeur tu l'envoies pour l'attaque. Moi j'ai ramené un Aurora là, tranquillement. Enfin, quoi que, on va le garder en défense de la gauche. C'est quoi ça? Merde, ils ont scouté notre bombeur. Il y avait un truc là. Shit. Cette usine là, je la mets en assise sur celle du dessus. Je sais pas ce que tu voulais faire avec, mais. Et ils ont écho déjà? C'est quoi ça? Il a pas été tilde le bon vent? Ah si. Bref, deux ingés quoi. C'est pas trop mal. On leur a laissé le réclame, j'ai oublié. Vas-y, je commence à prendre des ingés pour faire les mecs qui manquent et réclame. Yes. Je vois que tu commences à avoir des ingés idle. Faire hydro. Je sais pas comment, mais ah oui, il est mort, c'est un G. Ok, j'en prends un autre pour l'île. Ça sert plus à rien. On est plus dans les temps. Ok, donc tu veux la dropper ou tu veux... Ouais, j'ai lancé le drop là. Ah, gauche, y'a un truc qui arrive. Ah, il recule. Ouais, il a pas vu. Tu fais une point def avec l'ingé juste après ou quoi? Non, on va pas faire de point def, ça sert à rien. On va juste dropper, on va juste ramener pas mal. Je vais essayer d'avancer en bas et là on peut écho. On veut commencer. Si passe un mec, c'est ce que j'allais dire. Parce que... Ok. La masse, hein. Je te laisse gérer l'écho, mais. T'inquiète. Merde, on a perdu nos. Tain. Et non, c'est parce que j'ai fait du manuel réclame aussi. On voit à droite, en haut, il y a deux chasseurs, on va les tuer, non? Yes. Ah putain, chier. Ah putain, il nous faudra un radar ici. Ouais. Je le lance. On vient de perdre. Le com il fait rien. Qu'est-ce que t'en penses? Le raid en bas. Le com, on va le back. Ouais, mais on leur a deny des trucs après et on a laissé du reclaim, je sais, mais. Ça va, faut bien. Echo. Je prends les ingés en bas. Echo, on va être bien rapido là. On a beaucoup de. On va avoir de la masse qui va arriver là, tu vas voir. Je vais le faire. Faire un transport pour l'île du haut. J'ai un transport, hop, je drop en haut. Il
ferais pas un petit hop sur le com, quoi? Enfin, faudrait le rentrer Ouais, un si tu peu, veux. mais... Vas-y, j'avance les troupes. Yes, on défend le com avec les troupes. Il te reste... Y a un transport qui est sorti encore, je sais pas si c'est volontaire. Ouais, c'est... Non, c'est pas volontaire, mais c'est pas grave, on va l'utiliser, je vais dropper dans le bac. Je fais deux stockages de power. Attends, peut-être pas là. Tu veux refaire des usines ou pas? Ouais, faut qu'on fasse des... Ah, bah c'est pas grave, on va prendre deux, hop. On va passer bientôt tech 2, hein. Ah bah t'as pris ce que je... Ok. Est-ce qu'on a des scouts? Pas trop, je vais en faire un peu plus. Ça manque de power. Ouais, tu vois Putain. ça? J'ai failli le lancer il y a 5 minutes, je pense que j'aurais dû. On débordait de ressources et... Je passe en mode full arty sur l'île pour faire des drops. Ouais, c'est dit. Si tu veux. Notre usine, elle est où là? Là-haut? Non. Le dropship qui tank les shoots des Aurora, nickel. C'est bizarre qu'ils soient pas battus pour les îles du tout là. Il y en a une, ils se battent un peu, mais en fait ils ont fait de l'écho tôt, je pense que c'était une erreur. Elle est où la résine qui sort ces merdes là? Oh merde! Putain, on est dans le noir Le là. com. Je les recule. Là c'est pili qu'il faut faire là. Ah, il va prendre des. Ouais. Je le fais ou tu le fais, c'est bon? Non, j'ai lancé. Je recule les tanks jusque là-bas. Je bouge les avions aussi avant que ça parte en couille. Le radar, on va le perdre, je refais un autre tout de suite. Ah non, c'est mon adjoint, hein, je suis bête. Ah bon? T'entends quand j'ai mes transports full? Ouais. Vas-y, je passe un mec derrière. 3 usines qui font rien vraiment? Ok, celle-là elle est là. Hop, j'en suis tech 2. Ah ok, c'est ça que je veux te demander. Les PD, comment ils ont tellement bien géré, mon gars! Tu trouves? Ah, les défendu, mon gars! Ok, ouais. Je crois que tu parlais d'eux. Ah non. Hop, les, ça nous drop! C'est là que tu passes tech 2? Ok. Vas-y, je m'en occupe. Reste sur autre chose. Ok. On pose les usines en haut. Je leur dis juste de faire quelques ingés, quelques artilleries.
C'est quoi ton projet avec les ingé Tech 2? Fais des PGN Tech 2. Ok. Je suis en train de gérer ma vie pour... Il nous attaque là. Hop. Auto-C. Il y a une grosse armée hein. Moi aussi. Commander under attack. Oula, je te laisse gérer, ça va aller. Il veut draw. Je vais m'occuper des troupes qui arrivent par derrière. On va gagner. Je pense, ouais. Oh! Commander under attack. Ouais, je l'ai vu venir, du coup j'ai envoyé toutes les troupes pour lui niquer sa gueule, j'ai compris qu'il voulait draw. Et ça a permis de juste nous faire gagner les 2000 d'HP qu'il nous fallait pour survivre. Ah, il était pas si haut que ça, ok. Je pensais qu'on était plus. Ah merde, on avait pas pu, micro, il y a un drop là à gauche qu'on a pas pu micro, mais bon, ça a tué comme deux mecs. J'ai fait un drop en bas, mais je crois qu'on a tué que deux mecs aussi, et un drop à gauche, en bas à gauche, là par contre on a tué des Aurora, mais on a pas pu. Parce qu'on a tué des ingénieurs, mais. Ce stade là, on avait tellement l'avantage que ça vaut le coup de le mettre dans le bas, dans le mal en fait, quoi. Même si c'est pas rentable, il perd la PM, il perd le peu de trucs qui est là. J'avoue qu'au niveau écho, ils étaient quand même à la ramasse, hein, mon gars. On avait. Non, nous, on avait 9. Enfin. Bon, ils étaient à la ramasse, eux. Oui, oui, eux, parce que genre, nous, on est bien, là. Ah, nous, on est bien. On est optimisé, mais on est bien, quoi. On est tech de land, on a nos tech de pigeon, on a... ils ont 4 mechs tech 2, on en a 9. Ah, en masse, on est bien, de toute façon. C'était juste le problème, et là, c'est bon. Et puis, j'avais commencé à storage un peu derrière, comme ça, on avait de quoi faut venir si on avait beaucoup. Ouais, plus les deux islands. J'avais relancé d'autres setup, là de toute façon on pouvait passer tout. En fait leur erreur ça a été de faire aucune défense contre les labs. Donc tu leur as mis trop cher non? Avec les labs. Pas tant que ça mais c'est les ingés du début en vrai c'était pas top pour eux quoi. Ils ont perdu l'ingé qui allait en bas, l'ingé qui allait à l'hydro et l'ingé qui allait à gauche. Ils ont quand même perdu 3 ingés. C'est les 3 premiers quasiment quoi. Ouais, non, c'était un peu et en bas je pensais qu'il y en avait 2. L'hydro d'en bas, c'est ça? Celui de l'hydro et celui de l'expand, voilà, c'est ça. Ouais, mais c'est pas un ingé d'hydro, ça, c'est un ingé de la factory derrière là. Ouais. Et donc, ça, c'était quand même pas mal. C'est vrai que j'étais surpris de croiser rien. Je me suis dit, vu le niveau des dégâts. Et nous, on a bien défendu parce qu'on a réussi à défendre un ingé en haut. Sud droite, il a tué juste le lab, il a tué un mec, c'est un ingé, donc on s'en fout. Ouais. Et après, on a commencé à dropper, on a réussi à avoir les îles. On a réussi à les revenir en écho, parce qu'en fait, ils ont fait de l'écho tech de super tôt. Mais je comprends pas, en fait. C'est aucun... Je vois pas le... Je comprends pas non plus sur cette map. Surtout que le problème, c'est le power au début, parce que t'as beaucoup, beaucoup, beaucoup de masse. Mm-hmm. Donc t'as pas envie de passer des mecs, quoi. Tu sais qu'il suffit d'aller ramasser les cailloux pour avoir de la masse, et... Je sais pas, je comprends pas très bien. En fait, moi, je pense savoir pourquoi ils ont eu ça, parce qu'en fait, ils ont récupéré les réclames du milieu. Et ils ont voulu dépenser toute leur masse et pas la waste. Et en fait, du coup, le réflexe, c'est d'envoyer un mec tech 2 qui utilise pas mal de masse. Bref, ouais, vaut mieux faire un storage presque à ce niveau-là, cette map, je sais pas. Et bon, en 1v1, ce que tu waste, c'est pas grave, quoi. C'est toujours ce que l'autre a pas, quoi. Enfin, dans le cas d'un reclaim au milieu... Donc là, un peu le but, là, qui aurait été à faire rapidement, là, il aurait fallu passer tout le truc en tech 2, tech 2 land. Enfin, en tech 2 assist, ouais. Il aurait fallu passer l'air en tech 2 pour faire des tech 2 transport et commencer à dropper un peu partout. Il aurait fallu continuer à scale up l'écho tranquillement. Là, tu commences à mettre des TMD, c'est pas mal. Je pense que 2 tech 2 pigeon, c'est assez. Et mettre des mass storage un peu dans la base du milieu, là aussi, enfin, dans notre base. Tout passer tech 2, quoi, de toute façon. Ouais. Et nous voilà. Les herbes quoi. Je pense qu'on aurait pu passer ouais, après, plus vite.
Ouais, le Tech de Land, on l'a fait light, on l'a fait super light. Vu comment on était bien hors ressources et tout, quoi. Ouais, mais c'est juste que j'y ai pas pensé directement. Ouais, moi je sais pas, Souvent, je sais pas je. trop prendre des décisions structurelles, quoi. Je te laissais gérer ces trucs-là. Mais. Bon, bref. Et ouais, du coup, t'allais dire. Non, mais écoute. J'étais bien content aussi de notre défense du haut, en low en unit. On a réussi à défendre avec quelques points de défense. Bah, c'est ça, les Auroras sans les tanks. On a manqué clairement Oui, le haut, c'est une belle réussite, hein. d'Arty. D'Arty, on a clairement manqué d'Arty dans le mix. Ah bon? Quand? Bah En là général? ça nous a pas été utile là, mais il faut avoir des Arty Aeon pour au cas où tombe sur des points de défense, faut toujours en avoir quelques-unes, tu vois. Ouais, je suis d'accord, Donc, j'en fais au sur... moins une tous les 5-6 units, mais bon. Ouais, c'est ça, c'est avoir une factory qui fait que des Arty pour 5 factories d'Aurora, tu vois. Ou... Mais bon, après, c'est vrai qu'on n'est pas arrivé jusqu'à leur base, donc c'est pas trop Bah important. on a niqué un petit peu À leur gauche? expand. Ouais, à droite, en bas, du coup. Ah, j'ai pas suivi ça. J'étais là, j'ai micro, mais je crois qu'on a perdu parce qu'on avait, y avait les radars qui sont passés devant et ils se sont fait niquer. Et du coup, après, je microais dans le vide, tu vois. Enfin, je voyais pas trop leurs unités. Je sais pas si t'as vu le lave en bas entre leurs deux mecs, il est resté super longtemps en vie, quoi. Ah oui, je sais que tu l'as mis là, j'ai relancé à un moment. Et peut-être qu'il est mort à cause de ça, du coup, j'ai remis. Sais pas, mais je sais que trop longtemps après, je regarde, je voyais toujours là, je putain. Mais du coup, je l'ai pas bougé. Quand ils environ un ingé, ce sera toujours ça de pris. Ouais, non. Ouais, mais en haut, J'ai c'est une belle gagné. réussite parce qu'on n'a pas envoyé le Ouais. com. Et comme tu dis, avec peu d'unités, on a bien défendu alors qu'ils en ont envoyé. Et ça a fait du reclaim, hein, mine de rien, tout ça. J'ai tout reclaim ce qu'ils nous ont envoyé en haut, là. C'était. Top. Regarde. Niveau rocher, on a bien clean l'arrière quand même. Hein. Pas si t'as focus dessus pour. Pas Par contre, vraiment, c'est toi qui as fait l'attaque move, après j'ai bougé vite fait, mais non, j'ai pas plus micro que ça, honnêtement. on a été un peu sale sur la production de Pigentech. Hein. Ouais, bah en fait, je t'ai dit, il y a un moment donné, on était vraiment bien en ressources, au moment où on a commencé à en parler, et j'ai vraiment hésité à lancer des grosses lignes de PGN, parce que je voyais ce qu'il y avait, je voyais l'évolution, je me suis dit, là, il faut faire des PGN tout de suite, plus, parce que ça va être horrible dans quelques minutes, Ouais. et c'est vraiment ce qui s'est passé, mais bah, je sais pas, je voulais pas trop lancer ces décisions-là, quoi. Mais parce que Ouais, si mais moi j'en t'as le lance une droit ligne de. et que toi t'en lances une ligne, mais c'est Bah, vrai que tu le les. dis. Ouais, c'est Tu vrai, dis, t'as raison. j'ai lancé une ligne de PGNTK. Mais ouais, non, du coup on était un petit peu sale sur les PGN Tekken. Mais si on avait fait une écho parfaite, enfin bien optimisée, ça aurait été violent parce qu'on aurait pu être bien plus vite Tech 2, on n'aurait pas eu le Power Stall. Ouais, mais c'était même pas à cause du. Là, le Tech 2, c'est parce que c'était un oubli, hein. En plus, j'ai lancé la factory pour faire le Tech 2, et après j'ai oublié de la lancer en Tech 2, tu vois. Et en fait, c'est pas mal de trucs qui ont fait que ça a Ouais. été delay de plusieurs minutes. Ces trucs-là, moi je les fais cache en général quand je peux pour pas avoir à revenir dessus, quoi. Hein. Ah, c'est con parce que c'est pareil, j'y ai pensé. Mais bon, de toute façon, ça, on était large. Mais ouais, ils ont pas fait un super début de game, quoi. J'ai l'impression que c'était un peu facile quand même. Yes. T'as fait un bon BO et tout, quoi. C'est quoi ça, la masse? Ouais. À 5 minutes, on passe vraiment devant eux. 6 minutes. Et ça se voyait qu'il voulait draw parce que on était loin devant, quoi. Bah, je sais pas, quand il y a eu le fight, ça s'est fini super vite. J'ai pas eu le temps d'aller venir voir ce qui s'est passé. Ben en fait, on s'est mis en range mutuellement, on avait le double gun chacun, et on s'enchaînait les OC, et moi je m'étais mis en OC automatique pour backer tout en tirant les OC. Et je faisais backer mes unités jusqu'au moment où j'ai vu qu'on passait dans le yellow, dans le jaune là, et que j'ai vu que ça allait vraiment être chaud 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 pour le draw. Enfin, je voyais qu'il partait pour ça. Tu la Du coup, target. j'avais une concave de fait en fait déjà avec mes unités, et j'ai juste target le truc, continué à backer, et soit je le forçais à backer au dernier moment et que du coup, soit je réussissais à le tuer, mais je sais pas, ça aurait été un peu peut-être un peu chaud, ça aurait été une prise de risque pour rien, donc j'aurais juste backé derrière. Mais au moins j'aurais sorti le com du range, tu vois. De Et toute façon, mais il comme a Eon, continué, il a tenté. quand t'es au max du range, il est en dehors de l'explosion, je crois. Avec le com Eon. le gun Aeon, je sais pas. Si tu joues vraiment avec Je la sais limite, plus. t'es en dehors de l'explosion, d'après ce que je me rappelle. D'accord. Parce que Ok. je sais que si t'es un dieu, avec le gun normal, si t'es en train de t'éloigner de ta cible, si tu mets le dernier shot possible du range, tu vois quoi,
Enfin, le dernier Et shot avant de pu être dans le tout range en t'éloignant, il peut exploser le sans que tu prennes les 2500, tu vois. Tu prendras que les 500. Mais il faut vraiment, je crois, de mémoire. En fait, de mémoire, l'explosion du com, c'est à peu près le range du gun normal, quoi. Ok, d'accord. Donc si t'es à la limite de ça et que tu marches, c'est bon. Et Léon, t'as quoi? T'as peut-être 10% de plus, je sais pas trop. Enfin, t'as un rayon un tout petit peu plus grand, quoi, pour Léon. Donc il me semble que Léon, il y a moyen de s'en sortir comme ça. Mais à vérifier. Top. Yep.